Yo la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer quelque chose. Donc avant toute chose de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Morgan Makeup et de mettre des pouces bleus, des commentaires, la cloche de notification à chaque avoir des nouvelles vidéos rien que pour moi. Et rejoins-moi sur Instagram Morgan Makeup et je t'affiche tous mes réseaux sociaux sur TikTok, Instagram, Twitter et YouTube. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir un colis. Donc voilà, je voulais remercier à la personne qui m'a contacté sur Instagram et je vais l'identifier si elle veut bien, si elle veut bien. Donc voilà, maintenant on va ouvrir le colis. On va ouvrir le colis ensemble. Oups, je vais faire comme ça. Donc le papier cadeau, il est top, il est génial. Et c'est un cadeau d'une abonnée. Alors là, je veux dire mille merci. Donc le poids contient 3 kilos. Donc je vais prendre un cutter. Je vais prendre un cutter, mais n'utilisez pas les cutters, les enfants, sans votre parent ou un adulte, parce que c'est très dangereux. Donc voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Je voulais remercier, mille merci à la personne qui m'a envoyé ce colis-là. Mille merci. Et en plus, elle habitait pas loin de chez moi. Elle habite dans le 95. Donc, ce colis contient comme ça, c'est vraiment lourd. Alors, déjà des poids. Alors, je vais commencer déjà un vêtement. Alors, apparemment, c'est une veste. C'est une veste chez Kiabi. Et je vais regarder la taille. Donc la taille. Alors, on a du français. Alors, 100% du polyester. Donc ça, c'est du 100% polyester. Et la taille. La taille, c'est du 52. Kiabi, donc j'essaye le vêtement. Je vais donc là, je vais le mettre. Donc là, ça m'y va trop bien et c'est super grand, mais c'est pareil du moment que ça m'y va bien et je suis trop contente. Je voulais te remercier beaucoup. Si tu vois, ça m'y va très bien et en plus, c'est bien, c'est qu'il y a une poche devant et une poche, je vous fais montrer. Donc là, je recule mon trépied pour que vous puissiez me voir de loin. Donc là, c'est bien parce que j'ai deux poches sur deux poches et c'est un petit blazer. Je voulais te remercier beaucoup et vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc déjà, normalement, tu as cousu un petit peu les manches, mais c'est pas grave. Mais je pense que je pourrais faire avec un comme ça. Mais j'aime bien. Et en plus, c'est un peu grand. C'est pile poil que j'adore. Donc voilà. Là, j'ai des poches. Et vous voyez, il y a des poches sur les blazers. Et moi, j'adore beaucoup le blazer. Donc vous voyez ce que j'aime trop. Et en plus, ça m'y va trop bien. Donc, mille merci. Et je t'admire ce que tu as fait. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, article suivant. Donc là, je traîne de prendre dans le carton. On va prendre le suivant du colis. Donc, c'est une chemise. C'est une chemise et taille 46 ou 48. Normalement, c'est 48.
Et donc, j'aime beaucoup. Donc, je pense que la matière, c'est du polyester et du spandex et du coton. Donc, voilà. Je cherchais tout à l'heure la matière. Et vraiment, désolé, là, le micro, il ne marche plus parce qu'en fait, il n'a plus de batterie. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, là, tu vois, vous allez voir que ça m'y va trop bien. Et moi, j'adore. Et ça, en fait, ça change vraiment. Moi, j'adore vraiment. Donc, voilà. Donc, je suis venue. Donc, on va ouvrir d'autres produits. Donc, on va commencer par le petit blender de la marque. Je vais vous dire. Donc, c'est la marque Mini Éponge Cosmétique de la marque Vaisselle Essentielle. Donc, je vais vous faire montrer l'éponge. Mais vraiment, je suis choquée. Donc, voici l'éponge de blender, la marque Vaisselle Essentielle Cosmétique. Minimum éponge de cosmétique et make-up sponge. Et je vais vous expliquer. Donc, je vous fais montrer. Et vous allez voir la texture. Donc, vous voyez le packaging. Déjà, il est transparent avec une pression derrière. Donc voilà. Et je vais vous faire montrer par contre la matière. Et je voulais te remercier, mille merci et merci d'avoir pensé. Donc voilà. Donc voilà la matière de l'éponge blender pour le fond de teint. Donc voilà. Merci beaucoup, mille merci. Donc on a là la marque de Catiller Paris, donc c'est un cosmétique et nature, donc c'est en plus c'est bio et vous allez voir que c'est vraiment bio. Je vais vous lire l'utilisation derrière. Là c'est vraiment bio et j'adore le packaging. Donc je vous lis derrière. C'est écrit nettoyant en profondeur de la peau délicate du visage. Donc là je suis en train de tester voir la senteur. Mais en mettant, je vais vous lire qu'est-ce qui s'est écrit derrière. Donc, c'est écrit nettoyer en profondeur de la délication du visage. Sous texture ultra légère, se transforme en mousse et fine, aérienne. Et plus de nettoyage doux et sans savon et sulfate. Et donc, ce sulfate. Et son savon, c'est fait formé avec des eaux florales et bio, rose et de bleu, protéinerie. Et en plus, je vous regarde c'est bio, c'est écrit bio. Donc, je suis désolée, on voit pas très bien parce que, en fait, le focus, il n'a pas fait bien son travail. Je suis désolée. Et vraiment, c'est un bon produit. Donc, je vous conseille fortement. Donc on a un autre produit qui s'appelle Cartier Paris Cosmétique et Nature Le Corps. Donc je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit derrière. Il écrit de ce corps hydrate assoupli. Donc si donc merci beaucoup parce que j'en ai d'autres. J'en ai vraiment testé d'autres. Mais cela je vais tester après. Mille merci beaucoup. Et en plus j'ai la peau sensible. Donc c'est un bon choix que tu as fait. Donc je vais en plus c'est un soin qui hydratant. Donc merci beaucoup. Donc on va passer au produit suivant. Donc là on a un shampoing de marque Repair de Manava, la marque Manava. Donc c'est framboise et fleur de rosée, les douches de hydratant, APS, S, douci, un extrait framboise et ça sent le...
Framboise et j'adore beaucoup, donc je vous fais montrer le packaging et je vais lui demander si c'était possible sur Instagram. Elle m'a confirmé que oui, que c'est pour la peau sensible parce qu'elle a utilisé de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit sur Instagram, donc voilà. Donc il n'y a pas plus de détails derrière, mais c'est hydratant, donc voilà. Donc là, on a des paires de chouchous. Donc les chouchous, viennent, ça se voit, de Jiffy. Donc c'est un tissu de velours, je crois. Et il y a 4 paires de chouchous. Donc merci beaucoup d'avoir pensé parce que moi, je fais la bataille avec les chouchous. Et oui, ça vient de Jiffy. Regardez, je pense que vous le voyez, mais on ne le voit pas beaucoup. Donc voilà, il vient de Jiffy, mais un grand mille merci. Donc voilà, j'aime beaucoup les chouchous, donc à de tester le produit. Donc là, on va passer à l'article suivant qu'elle m'a acheté. Donc elle m'a acheté un masque de aloe vera. Aloe vera de Mabelis, je sais plus la marque, mais vraiment, voilà. Mais par contre, vraiment, t'as fait un effort et je sais où tu l'as acheté. Tu l'as acheté à Action parce que ça, c'est de l'aloe vera. Donc voilà, c'est écrit la marque que je voudrais de faire montrer. Donc voilà, article suivant qu'elle m'a offert encore. Encore, on a une autre gamme de masques, c'est bio. Et c'est pour l'hydratation, donc voilà, j'essaie de vous dire, donc voilà. Donc là, on a de la crème castillée de Paris, encore du bio et de la beurre de karité visage, corps et cheveux. Donc face à body art, 100 grammes. Et je vais vous faire montrer le contenant, mais c'est dommage qu'il a été swatché. Mais si je connaissais pas la marque, ça sent d'une fleur. Et vraiment, il est vraiment au top. Donc je vais vous faire montrer à l'intérieur. Donc on a une opercule. Donc voilà. Et donc je referme. Je vous fais montrer le packaging. Une opercule et il y a 100 grammes. Et donc j'ai jamais testé ce produit-là. J'ai hâte de tester. Sur mes cheveux, donc voilà, il y a 100 grammes, ce que je viens de vous faire montrer, et vraiment, c'est au top. Donc là, on a le savon. Donc du Cosmo naturel au lait de d'anis bio, patchouli, yang-yang, savon de beauté pour Body Shop. Donc c'est pour le visage, je pense. Et donc ça sert traditionnellement reconnu pour les vertus exceptionnelles de lait, l'anis et senteur de naturel réveillant, de régénéralisation de la peau. Et nous pouvons proposer de retrouver la bio bien finante de l'aîné d'anis à travers de cette savonnette certifiée bio fabriquée artisanalement. Il y a du ingrédient sodium palmate, sodium cocotte, aqua, glycérine. Il y a du Doggy Mike et voilà. Composant savon fabriqué à l'huile de végétal bio et la lait d'anis bio. Équivalent 10% de frais. Parfum 100%. Huile essentielle. Argent moussant. Délivrant. Sucre. Argent de sécrétant d'origine naturelle. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. 2 transformés à partir d'ingrédients biologiques. Et 3 substances de naturel contenant de l'huile essentielle. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
79% total d'ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, cosmético-écologique et biologique certifiée selon la référence éco-CI disponible sur http://cosmétique.ek.com. Donc on va l'ouvrir. Oh, donc voilà. Oh, oh là là, c'est fort. Oh, c'est fort. C'est très 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 fort. Et en plus, je suis pas habituée. Mais là, c'est fort. En plus, ça sent trop fort. Et moi, comme je suis asthmatique, là, je fais que tousser. Et c'est dommage. Mais bon, du moment que tu m'as offert, je vais tester. Mais si j'arrive pas à tester, je vais tester par moi-même. Mais là, je fais que tousser parce que l'odeur, c'est super fort. C'est très 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 fort. Donc, voilà. Donc là, on a un rouge à lèvres de Miscop 05 05 et donc je vous fais montrer le packaging et tout. Donc je vais l'ouvrir, en plus il est tout neuf. Et par contre seulement c'est dommage, c'est que en fait la pointe c'est le pinceau, voilà, et le pinceau il est petit. Il est petit. Moi j'aime bien quand c'est grand, grand comme Sephora. Mais là, je vais vous faire montrer. Et en plus, je vais mettre dans le même. Ça, merci beaucoup. En plus, et je vais rajouter dans le même qui est derrière le blanc. Je viens vous faire montrer. Et donc là, je vais l'ouvrir. Donc je vous fais montrer devant le pinceau. Je viens vous dire qu'il est tout petit. Et c'est dommage, c'est pas grave. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Mais il est top, il est bien. Et en plus, il n'y a pas de parfum. C'est dommage. Donc là, on a la marque de VSL Essentiel, une éponge maquillage silicone. Donc voilà le packaging. Et je vais vous faire montrer ce qu'il y a indiqué derrière. En plus, c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais testé. J'ai hâte de le tester rien que pour vous. Et c'est la marque VSL Essentiel. C'est la première fois que je teste ça. Donc, je vais vous lire derrière. Donc, là, je suis en train de l'ouvrir. Donc, ce qui est écrit. Faites silicone notre éponge en silicone, vous êtes assuré un teint parfait et naturel sans gaspillage de votre maquillage. Appliquez sur un pot de produit sur des dessous de votre main, puis utilisez votre éponge, puis étalez. Et puis voilà. Donc, en plus, c'est facile à nettoyer et économique de maquillage. Donc voilà l'éponge de silicone. Appliquez un peu de produit dessus et de votre main. Utilisez sur la planche et pour étaler. Donc c'est pour faire ça. Donc à mon avis c'est pour faire ça. Je pense. J'ai eu une bougie de Monoï et j'adore le packaging. Donc c'est parfum Monoï et je sais plus la marque mais vraiment je vais vous la mettre à côté la photo que j'ai allumée. Donc ça sent trop trop bon. Non mais là t'as fait trop l'effort. Non mais là t'as fait trop d'efforts. Je suis désolée mais vraiment ça sent trop bon. Je suis désolée et j'ai un problème de micro parce que mon micro il s'éteint à chaque fois et il n'y a plus de batterie. Donc j'essaye. Donc voilà, je suis vraiment Là, je désolée. peux te dire que c'est des bonbons Haribo Canada. Donc voilà, je vais en tester un devant vous. Je vais voir si ça c'est super bon ou quoi. Je crois que je vais me les enfiler cette semaine devant Netflix et les montages. C'est trop bon.
C'est excuse. Allez, prends un troisième parce que c'est trop bon. C'est excuse. Donc voilà ce que j'ai reçu comme colis. Et derrière moi, je voulais te remercier mille merci et n'hésite pas de venir voir cette vidéo quand elle va être mise en ligne. De toute façon, je vais demander si je peux te dire identifier sur Instagram. Et aussi, si il y a apparemment il n'y a pas de son au niveau de ma voix, vous inquiétez pas, je vais rajouter dans le montage la voix. Parce qu'à cause de ça, bah, mon micro cravate est tombé en panne. Et ça me saoule. Il est tombé en panne, donc je vais les charger pour la prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, je voulais vous dire, je vous souhaite une bonne fête. Je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous fais des gros bisous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Et aussi de mettre une cloche.